Ce qui est important aussi de dire, c'est que malgré tous les bénéfices qu'apporte le télétravail, il y a un risque qui peut conduire finalement à l'exclusion du salarié. C'est pour ça que la plupart des accords collectifs ou des chartes mises en place par l'employeur vont exclure les salariés ayant un temps partiel assez important du dispositif du télétravail. Et donc, parfois, on a une proratisation du droit au télétravail pour les salariés à temps partiel, puisque le but, quand même, c'est de garder un pied dans l'entreprise et de ne pas conduire à l'exclusion du salarié.